là où l'on baisse et du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon mercredi. Un mercredi qui commence avec un temps qui est variable, une température extérieure à 19 degrés, une température de l'eau à 20 degrés, une marée qui est actuellement en train de monter, le plein haut est à 10h05 avec des coefficients de 82. Et sur cette fin de marée montante, le vent est offshore modéré par le nord-est, à deux beauforts établis, le plan d'eau est ridé au bord, un peu de clapot au large, des phases de vagues sont lisses, et on a la houle de l'ex-cyclone Chris, deuxième journée, une houle longue de 11 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest, multipique et en atténuation, délivrant ce matin 1 mètre 20 en déferlement régulier, 1 mètre 30 sur la majorité des séries, 1 mètre 50 sur les grosses sets. Des vagues qui sont assez agitées, vous voyez, c'est quand même multipique désordonné, mais sur les bons bancs de sable, au fur et à mesure que la marée monte, les vagues se calent gentiment. Il y a des bouts à attraper, ce n'est pas la perfection, mais il y a quand même des vagues assez sympathiques à attraper sur les meilleurs bancs. Aux meilleures séries, il y a un peu de monde à l'eau, la barre est facile à franchir, les vagues sont pas particulièrement sélectives, l'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui devrait être en lente atténuation. La boue Arcachon est à la baisse à 1,60 m et 8 secondes. Pour ce qui est du vent, toujours offshore modéré à la mi-journée, mais se renforçant nettement au nord a priori cet après-midi, ça devrait se dégrader. Les prévisions nous donnent donc à 13h 1,30 m, houle ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période vont de nord-est à 2-3 beauforts, et à 17h, 1m20, ouest, nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent de nord à 4 beauforts, meilleures conditions sur la première partie de journée, à surveiller quand même cet après-midi, avec le vent qui sera très très nord, les phases de vagues devraient quand même rester relativement exploitables. Voilà pour le report de ce matin, on se retrouve à 11h30 pour le prochain bulletin, à tout à l'heure, merci.